Get ready for the next battle. Jinpachi Mishima est le père de Heihachi Mishima, le grand-père de Kazuya Mishima et l'arrière-grand-père de Jin Kazama. Il est le fondateur de la riche et puissante société japonaise baptisée Mishima Zaibatsu, ainsi que l'un des meilleurs guerriers du monde avec son ami Wang Jinrei. Il pratique le karaté Mishima, art martial qui s'hérite de génération en génération. Il l'enseignera à son fils Heihachi afin de faire de lui son héritier, ainsi qu'un puissant guerrier. De plus, il entraînera un peu son fils Kazuya avant de disparaître. Lorsqu'il lèguera la Mishima Zaibatsu à son fils, il constatera que Heihachi est dangereux. Il tentera de reprendre le contrôle de sa société en organisant un coup d'état, mais Heihachi finira par le sceller dans le temple Onmaru, le temple sacré des Mishima. La disparition de Jinpachi paraîtra suspecte aux yeux du monde, lui qui était connu comme étant un grand homme d'affaires. À la fin de Tekken 4, l'explosion du temple Onmaru révélera Jinpachi qui brisera son sceau à l'aide d'une entité démoniaque, qui prendra possession de son corps. Il dirigera la Mishima Zaibatsu dans l'ombre et organisera le King of Iron Fist Tournament 5, où il servira de boss de fin et où il y affrontera son arrière-petit-fils en finale avant de mourir suite à sa défaite. Jin Kazama, ayant alors vaincu son ancêtre, prendra la tête de la Mishima Zaibatsu.